Du pâté au foie gras. Ça, c'est du bon pâté. Ça, c'est du bon pâté, les gars. Mais oui, mais ça, c'est du bon pâté. Hein? Le bon pâté à GG, comme on l'appelle, comme on l'aime. Ça, c'est du pâté, les gars. Vous aimez le pâté? Mangez le pâté de GG. Bien les amis, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 6 de Hard Farm saison 2. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde, mais comme d'habitude, on voit ça juste après l'intro. Allez, à tout de suite! Eh bien les amis, on se retrouve aujourd'hui in-game. Je suis en compagnie de beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a du monde avec moi. Bonjour, bonjour. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est pas là? Il y a Borom, il y a Biscotte, il y a le tracteur belge, il y a Maël, il y a Trinka. Moi. Il y a Maël. Salut, bonsoir. Comment ça va les enfants? Oui, c'est Boromette. Ça va. C'est Boromette. Comment vas-tu? Oh, oui, ça va. Ça, ça, non ça, pff, ça peut aller. Ouais, voilà. Okay, non mais ouais non bah moi ça va en vrai je vais fatiguer parce que du coup je bosse dimanche donc Ah ouais. Mais ouais, ouais bah je bosse dimanche, je commence à 5h30. Ah oui. Oh, courage hein. Oui voilà, je fais 5h30 13h. Effectivement. Un peu de choses qui arrivent. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Les gars, vous avez vu comme vous avez pu le voir bien sûr dans cette magnifique miniature que je vous propose actuellement. On a un New Holland T7 290 qui nous a été tout simplement prêté par la concession pour pouvoir le tester. Et pour bien sûr faire un futur achat, bien sûr. Un petit T7 290. Et je vous avoue qu'il est magnifique. Et du coup, il nous reprendrait le petit New Holland. C'est un TLA, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est de la merde. Du coup, voilà. Moi, ce que j'ai fait avec Maël, c'est qu'on a fait une mise à jour de la map. Enfin, Maël a fait une mise à jour de la map. Et moi, j'ai tout simplement commencé à ranger toutes les bottes ici. J'ai mis un nouveau bâtiment, là. Un petit bâtiment tranquille de stockage. Et enfin, il est trop stylé. On a mis ce petit appentis sur le côté. Et là, bien sûr, la nouvelle stabulation. Faut qu'on achète des vaches. On va acheter des vaches. Biscotte ? Oui. Oui, tu es avec moi. Achetons des vaches. J'arrive bien. Oui, oui, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Alors tu vois, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah voilà, les vaches elles sont là. 10, 11, 12 et 13. Confirme. Voilà, on a 13. Qui m'a piqué de l'argent? Arrêtez de me piquer de l'argent, je vous préviens. C'est encore une farce de Borom ça. Oh, la belle moissonneuse. Oh, le théâtre investi. Vous avez investi là-dedans, sérieusement, une double 540. Oui, tout à fait. Nous avons investi, nous avons revendu notre case, nous avons vendu des céréales de notre récolte, et puis du coup, nous avons investi dans une belle machine John Deere avec. Par contre, on a gardé du coup la Deering Off. Ah ouais. Voilà, en vrai, elle en jette la John Deere, elle est propre. Hein. Elle est géniale. Franchement, elle est vraiment géniale. Elle est méga stylée. C'est un cueilleur à maïs. Waouh. Cool. Bah les gars, ce que je fais c'est que, alors nous on va aller vider la benne tout simplement parce qu'on a du colza là dans la benne, est pleine de colza, celle qu'on avait chargée du coup dans le dernier live. Ce que les gars ils vont faire c'est qu'ils vont commencer à moissonner du coup tout mon soja, et ce que je vais faire c'est que moi je vais aller vider la benne et comme ça je ferai des petits allers-retours à la benne. Si on a le temps on ira du coup commencer à récupérer les bottes dans ce champ, et du coup si on a le temps on va commencer direct à déchaumer derrière le TA, voilà. Si j'allume le moteur, c'est un peu mieux. Alors, où est-ce qu'on va aller vider ça? Le meilleur prix. Bah non, restez là. J'arrive toujours pas à le démarrer le jeu. C'est ça qui coule, quoi. Ah, t'arrives toujours pas à démarrer le jeu? Mais c'est incroyable. Bon, du coup. C'est ça qui coule. Ouais. Nous, les amis, en attendant que Biscotte arrive à mettre ses modes et arriver sur la partie, ce qu'on va faire, c'est que nous. Oh non, on mais va... pas Fortnite, allez, bon, mais. Tu démarres. Non, mais. Ça me lance le mauvais jeu. Ah, bah bravo. Félicitations. Nous ne faisons pas des vidéos ludiques sur Fortnite, chère demoiselle. Effectivement. Enfin, moi, en tout cas, j'en fais pas. Moi, je n'en fais pas encore. En tout cas, il y a un truc qui est très appréciable, c'est que tu as changé ton micro et on t'entend très très bien. Oui, effectivement. Et je t'avoue que c'est très cool, en vrai. Ouais, bah, c'est vrai que on m'entendait pas trop, effectivement. Yeah. Non, on va c'est team. Par contre, les gars, je tiens à dire quand même que ce T7 est juste incroyable. On a vraiment beaucoup trop trop bien kiffé. Par contre, cette histoire-là me gonfle légèrement. Alors, si jamais il y a des gars qui savent, ou des gens qui savent, expliquez-moi pourquoi là, par exemple, là, je peux faire ce mouvement, et que des fois, je ne peux plus faire ce mouvement. Je ne comprends pas. Genre, d'un coup, je peux plus le faire, le mouvement, là, montée-descente. Donc, s'il y a des gens qui sont au courant, je veux bien qu'ils m'expliquent. Parce que vraiment...
ça me saoule. Je vais pas vous mentir, ça me saoule. Ça me saoule même beaucoup. Et du coup, bah, c'est très très relou. Parce que des fois, bah, on peut plus placer le mouvement. Et waouh, waouh. Lag, lag, lag. Il y a quelqu'un qui achète des trucs, là, c'est pas possible. Oh, oh mon dieu. Bah, là, par exemple, vous voyez, je peux plus faire le mouvement. C'est quand je change de vue, j'ai l'impression. Genre, ni à l'extérieur, genre, je peux pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Et des fois, je peux plus faire ça non plus. C'est vraiment trop chelou. What? Mais pourquoi ça lag comme ça au concessionnaire? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah ouais, mais tu m'étonnes que ça lag. What? Ah ouais. Oh, ils sont chauds, les gars, là. Oh, mais pourquoi ils ont acheté tout ça? Ils sont fous. Non, moi, c'est derrière. C'est Eterna. Ah ouais, mais tu m'étonnes que ça lag. Ils arrêtent pas d'acheter des trucs. Ils achètent les camions et tout. Oh, alors ça, les gars, c'est tout le concessionnaire, en gros. C'est tout ce qui est achat, vente et tout ça. Et prêt de matériel. Mais c'est abusé. Waouh, je lag à mort. Oh, j'ai jamais lagué de la vie. J'ai jamais lagué sur serveur. J'ai jamais lagué sur farming de base, déjà. Et là, bah, je lag parce qu'ils font que des achats. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tourne, tourne, tourne. Hop, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Bien sûr que ça passe. Ah, ça y est, la synchro est terminée. On peut enfin vendre notre petit grain. Bim, bam, boum. On va juste remettre la TH. Bim, hop. Et c'est parti. Fais péter la thune, mon grand. Bim. Revenu de récolte. 6300. C'est tout? On n'a rien gagné. C'est nul. Vas-y, on va faire du soja. Ça paye mieux, le soja. Ça paye mieux. Biscotte, on va faire du soja, ça paye mieux. Allez. Tu sais quoi, on revend toutes les vaches. Quoi? On se lance dans autre chose. On va être comme au Brésil. On va faire comme au Brésil. Allez, on va faire 400 hectares de soja. Allez, hop. Allez. Non, on va pas faire que ça, les vaches, les pauvres. On va pas les revendre. Bon, est-ce que ça fonctionne maintenant? International? Bonne question. Toujours pas. Détail. Ouais. Moi j'ai pas le Bobcat truc turbo, je crois qu'il y a que ça que je n'ai pas. Bien, du coup les amis, on est arrivé au champ, on va laisser la benne, je sais pas, genre là, par exemple. Voilà, par exemple. Ça peut servir, la benne peut lui servir. Et nous du coup ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit accéléré, bien évidemment gentiment et très facilement, de du ramassage de bottes. Allez, on va se lancer dans le ramassage de bottes. Je vous propose de ramasser des bottes. Ah mais non, ces bottes là je dois les enrubaner. Mince. Eh ben je vous propose de faire un accéléré sur de l'enrubanage de bottes, les amis. Allez, c'est parti. On va dételer le semoir. Attendez, faut que j'enlève la prise de force. Voilà, on dételle ça. On prend le Renault, notre petit Renault qui a presque 16 heures. En vrai, il a quelques heures déjà, c'est cool. Et on va atteler du coup l'enrubaneuse et on va enrubaner tout ça. Il faut qu'on ramène les bottes de... Ah, faut qu'on ramène les bottes de paille aussi. Ok, on a un peu de travail, je vous avoue, on a un peu de travail quand même dans la ferme. Parce qu'après, il faut qu'on renourrisse les vaches, qu'on leur redonne de l'eau et tout. On a un petit peu de travail, mais ça va le faire. Je vous avoue, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Bon les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un grand accéléré. Et on se retrouve à la fin quand on a terminé. Allez, à tout de suite.
Du coup, les amis, nous avons fini cet enrubanage. Du coup, bah voilà, les. Je sais pas combien il y a de bots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bots d'enrubané, nickel, c'est parfait, ça va être nickel pour nous, les vaches. On va être au top des bots enrubanés. Du coup, on n'aura plus qu'à ramasser ça, bien sûr. Je ferai ça soit en live, soit en off, j'en sais rien encore. On va voir ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir vite fait à la moisson où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont avancé ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tracteur là, comme ça. Hop. Je le range à l'arrache. Vite fait, bien fait. Voilà. Hop, on le laisse ici. Bam. On le met là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du coup la moisson où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont avancé un petit peu ou pas. Il y en a dans la benne là. Oh oui, il y en a dans la benne. Attendez, on va leur déplacer la benne aussi. Hop, on va aller leur déplacer la benne vite fait. Comme ça, au moins, ils n'auront pas à faire 15 tonnes d'aller-retour. Ils sont partis où? Où est-ce que vous êtes partis, le terrain? Ah, ils sont là. Bah alors, le terrain, il est bloqué ou quoi? Ça travaille plus, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, mais attends, je vous paye à rien faire? C'est quoi, ce bordel? Non, mais oh, attendez, ça va pas. Attendez, le terrain se fout de moi. Je vais les voir. Ne bougez pas. Oh, oh, c'est quoi, ce bazar, là? On fait du RP. Alexin, je suis en RP, s'il te plaît. On vous paye à rien foutre ou quoi là? Je suis non, RP. Non, on fait une scène RP pour le truc de mal. Ah. Oh le relou. Ah, mais fallait... Non mais fallait le dire aussi. Non mais oh, bah, si... moi je vois que ça moissonne si, plus là. Si... Oui, mais si je suis pas là, c'est que je suis en train de faire un truc. Ah, mais moi je vois que ça moissonne plus dans mon champ, ça travaille pas, je suis désolé. Mais c'est... Non, on fait du RP dans la ferme à... On fait du RP dans la ferme à Trinca là. Ah, bah bravo, oui. Félicitations. Bon. On peut reprendre. Ouais, moi, mon contenu, hein, non, mais oh. Désolé, mais c'est un peu le bazar. Bon, bah, et du coup, du RP pour Trinca. Trinca, tu fais du RP, tu te lances là-dedans. Mais non, mais c'est pour moi, dans la ferme à Trinca. Ah, bon, bah, vous irez voir le RP sur la. Sur. Bah, sur Ferme Orange, là. Voilà, tout simplement, sur sa chaîne. Vous irez voir le RP sur sa chaîne. C'était le petit instant promo. Ça va, tranquille. Oh. Merci beaucoup. Bon. Bon, bah, vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Yes. Nous, on va aller voir Borum et Black Meek. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Comment allez-vous, les enfants? Ça va, et toi, l'enfant? Ça va très bien. Ça va très bien. Cool. Moi, j'ai pas grand-chose à faire si je vais aller faire du cheval. Qu'est-ce que vous faites, vous? Eh ben, écoute, là, il y a Black Meek qui est occupé de ramasser les bottes de paille. Encore? Exact. Ouais, ah bah on va oui. Complet. Mais on va vous les vendre, hein. Enfin, on va en vendre aux gens, hein. C'est pas possible autrement. Ouais, on a trop, là. On va avoir trop. On a ouais, trop, bah, moi, ça m'intéresserait, je vous avoue. Eh ben, écoute, ah bah nous aussi ça vous intéresse que ça t'intéresse. Ok, bah moi je serais chaud pour vous en acheter genre une vingtaine. Ah mais tu peux en prendre 50, hein, y a pas de soucis. Ouais ouais, non mais attends, j'ai pas les fiches, y a pas marqué Rothschild non plus. Hein. Écoute, je vais montrer le tas là vite fait, notamment ma vidéo. Et puis moi je vais passer la charrue, là. Enfin je vais commencer à labourer. Ah cool, c'est sympa du coup, tas de bottes, non, il est vraiment abusé, on a vraiment beaucoup trop de bottes par contre. Ouais. Hein. C'est exagéré. Ok, bah mec, de toute façon je vous en achèterai. Hein. Bah écoute, y'a pas de problème. Bah nickel. Si tu veux, on te fait la livraison. Enfin, ah bon, ouais, non mais ouais, ça m'intéresse. On verra ça. Tu fais le déchargement aussi. Et puis on verra ça, on verra. Tu le déchargement, abuse pas quand même. Tu peux payer tu pourrais payer mes animaux aussi. Tu veux pas que je te fasse tes toilettes aussi, non? Si, ferme, si, non bah si. Bah vous gérez ma ferme et puis vous me donnez toute la thune, quoi. Ouais. Ah bah oui. Un vrai patron d'entreprise, finalement. C'est comme ça qu'on a dit, hein. C'est comme ça qu'on dit qu'on a dit, exactement. Et toi, j'ai rien compris. C'est tout qu'est-ce que je dis, hein. Bah ouais, t'inquiète pas, c'est ce que je vais faire. Ah ouais? C'est qu'est-ce que je vais faire même. C'est tout qu'est-ce que tu vas faire. Oh putain. Ça fait mal aux oreilles quand même, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah ouais, comme du coup, je réponds à ma question. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Oui, toi. Eh ben écoute, moi je suis allé vendre du grain. J'ai fait de l'enrubané en accéléré. Et j'ai amené la benne à l'ETA que je paye à rien foutre parce qu'ils sont pas en train de moissonner. Non, abusé. Non, et du coup, là je suis parti déchaumer derrière l'ETA, mais je vais pas déchaumer grand chose parce que du coup ils sont pas en train de travailler. Voilà. Du coup, ils cherchent à gratter du temps chez les génies. J'avais oublié d'attacher mes flexi, putain. Comment je suis. Bah du coup tu payes des gens pour rien faire, bah c'est génial, ça c'est cool, hein. La vraie vie de patron, hein. Venez travailler chez moi, c'est intéressant. Ce qu'on a dit. Non, bah moi j'ai pas grand chose à faire chez toi, hein, clairement. Ouais. Et pour le coup, on a pas mal de taf à la maison. Mec, chez moi, t'as payé rien foutre, c'est cool. On a pas mal de travail. On a toujours pas eu le temps de ressemer, hein, tellement. Bah ouais, je vois ça. Moi je suis déjà en train de déchaumer, mon gars.
On est tranquille, mec. Écoute, y a pas de stress, y a point AS. Nous, on est posé. Ouais, après, si tu veux et tu t'ennuies, tu peux faire le labour chez nous en même temps. N'empêche qu'on a quand même 39 000 balles. Bah, si vous voulez, je peux vous. Ah, mais j'ai pas de charrue. Ah, bah merde. Ah, bah merde. Alors. J'ai pas de charrue parce que moi, je fais sous-traiter le labour. Putain, on aurait dû faire ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un T7 290, mon gars. Nous, on a un T55. Non, je l'ai pas acheté, je l'ai en prêt, j'ai en test. Ah, bah, vous le voulez un Xerion, les gars. Nous on va prendre un 1050. Je l'ai en test pour savoir si je vais l'acheter. Mais je t'avoue que c'est une belle somme quand même. Là, à mon avis, si je l'achète, 240 000. En vrai, mec, je t'avoue que si je l'achète, je suis endetté pendant très longtemps. Je m'endette, mais j'ai mon prêt maximum et tout. Mais t'inquiète, du moment qu'il te reste de l'argent pour acheter nos bottes de paille, ça nous suffit. Oh non, mais t'inquiète pas, j'ai encore. Tu sais que j'ai toujours pas vendu de grains. Hein. Non plus. J'ai toujours pas vendu de grain. Mais nous on a plus de 100 000 litres de blé, je crois, avant. Ouais, mais y'a pas de problème. Nous on a 39 000 euros, on a de l'argent. J'ai mon stock, je crois qu'il me reste 10 000. Mais j'ai mon stock de soja et mon stock de colza à les vendre encore. J'ai rien vendu, rien du tout. Genre j'ai une montagne de soja à vendre. Ah ouais, bah good luck. On a pas vendu grand chose. Bah ouais, écoute. Hein. Je crois que je suis en train de faire le con là. Ah ouais? Ah bah bravo! Moi j'arrive au champ là tranquillement, je vais pas commencer le labour. Ça tu laboures lequel? Le 1. Parce que le 2, il y a encore le télescope de Seb dedans. Seb, mais il est abusé. Il range jamais son dedans. Matos lui. Non mais c'est sa nouvelle maison, c'est le garage, hein, c'est fini. Hein. C'est. Là le Seb, son télescope, il va rester là jusqu'à la fin. Voilà, vous pourrez rien faire dans ce champ, vous avez acheté un champ pour rien, bravo. Bravo! Non, bravo, ça c'est pas notre faute. C'est pas lui qui le fait dégager, c'est moi qui le dégagerai à la main. Ça je peux te le dire. Voilà. Mais quel oh là là, hey, hashtag drama. Hashtag drama. Genre, je suis arrivé là, comment dans le vocal de Trinka pour engueuler. Ah mais connard. Pour engueuler le TA. Bon. Et là, en fait, genre c'est pas moi qui me fais mêler. Genre, je me connecte, et ils sont tous en train de m'engueuler. Ouais. Qui quoi? Je dis, moi à la base j'étais venu pour gueuler les gars, pas pour me faire gueuler dessus. Quoi. Ah, très drôle ça. Et en fait, c'est juste qu'ils étaient en train de tourner une scène RP. Et du coup, ils m'ont dit, t'as tout niqué. Une scène RP. Ouais. Une scène RP où ils gueulent, mais putain, le RP à chier. C'est génial. Et du coup, voilà. RP sur la table, on aura tout vu, les gars. Ah, on aura tout vu. Lâchez un pouce bleu dans cette vidéo d'ailleurs, les gars. Bah oui, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, écoutez le chef. Hein. Très important. Écoutez le chef, les amis, c'est très important. C'est très, très, très important. Et j'ai l'honneur de vous dire que le Renault tire correctement la charrue. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est beau. Hein. Tu veux monter Tu veux venir voir le plateau, Borom? Non, j'ai peur. J'ai peur, hein, totalement. Tu veux monter 7? Non, plus. J'ai peur aussi. Hein. Si, j'ai un peu besoin du T7 pour que, avec une barre. Parce que là, le. Hein? Pourquoi? Il tire pas le plateau. Hop! Bon bah du coup moi j'ai fini mon déchômage. J'ai trop chargé. J'ai fini mon déchômage donc c'est bon. T'as fini tout le travail. Bah ouais parce que le TA il fout rien. Il tangue. Bah, du coup j'ai plus rien à faire. Bah ils sont censés moissonner non? Bah oui mais ils moissonnent pas. Ah ouais bon c'est cool. Bah ouais c'est. Franchement c'est bien tu les payes pour rien glander. Bah non, mais c'est pour ça je pense que je vais diviser la facture en deux. J'ai pas envie de retourner les voir. En fait j'aimerais bien aller retourner les voir juste pour les faire chier mais ils vont encore me gueuler dessus. Encore régulier dessus, tu vas te faire victime. Ça fera deux fois dans la même vidéo, c'est un peu beaucoup, je trouve. Abusé. Ah c'est là cool, là. C'est cool. Qu'est-ce qu'on rigole quand même. Qu'est-ce qu'on se marre, hein. On n'est pas payé bien cher, mais on se marre bien. Ah oui, ça, on n'est pas payé bien cher, ça c'est sûr. Hein. Bon, du coup, voilà. Par contre, comme je disais, je travaille dimanche matin, mec. Je commence à 5h30 et je finis à 13h30. Et en vrai. Je dois t'avouer que lundi, je ne travaille pas. Ah bah c'est bien, du coup. Ouais, ça va en vrai. En vrai, ça va. Mais dimanche, t'as cassé les couilles quand même. Bah, faut se lever, quoi. Oui. Ça, le plus dur, c'est que tu peux pas faire la guindaille le samedi, quoi. Pas vraiment. Enfin, la guindaille, tu vas me dire, avec la situation sanitaire actuelle, c'est un peu compliqué, mais... Ouais, enfin voilà, il y a des difficultés déjà qui font que... La guindaille, tu comprends. Les amis, ce qu'on va faire, pardon, mais autant pour moi, hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir Borom au labour et puis voilà, on va voir un peu ce qu'ils ont fait pendant la vidéo. Quatre lignes.
Magnifique. Non, oh, non, non, j'ai moissonné un champ quand même, oh, s'il te plaît. Ah, ah oui, non, mais alors, ayons un peu de respect quand même. Ayons un peu de respect. Par contre, l'ensemble est stylé quand même. Hein. Ouais, vraiment tout orange. C'est quoi, c'est, une... Là, c'est la UR? C'est la UR ouais. Ou la No, je sais plus. Ouais, c'est la non, c'est la UR, c'est la je UR. Crois. Elle est magnifique. Avec le Renault, ça va bien en vrai. Ça va bien. Ouais, il manque une masse à l'avant, mais ouais. Flemme un peu de la mettre. Mick a récupéré des bottes de paille. Oui, tu peux venir me voir au champ 74 si tu souhaites. Moi, je fais cette ligne là. Si je vais aller voir Black Mick également, et puis on s'arrêtera là également pour ma part. Tu m'étonnes que t'avances pas. T'as mis le chargement? Est-ce que t'as mis les flexibles déjà? Ouais, t'en as mis beaucoup. Ouais, il les a mis. Ah oui, parce que je me dis, sinon c'est normal que t'as... Mais par contre, ouais, c'est vrai que t'en as mis beaucoup des bottes, hein. On va mis une 27. Bah écoute, voilà. 27 bottes sur un petit... Ouais. Et il faut savoir que c'est un 1255 XL qui le tire, hein. C'est ça. Donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Bon, nous, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller voir vite fait ces espèces de pélos, là. Ces pélos, pour aller leur gueuler dessus, leur dire, écoutez, vous avez même pas travaillé dans la vidéo. Exactement, exactement. Bon, allez. Alors. Ah oui! Ah oui, comment ça va, Parchio? Non, on est en tournage là, roleplay! Ah putain, on va encore engueuler, c'est pas possible. Non, non, c'est bon, bon. C'est bon, c'est bon. Du coup, Maël, il est là. Voilà, Maël a fait de la moisson aujourd'hui, c'est ça le terrain, vous avez fait de la moisson. J'ai vu, vous avez acheté un véhicule aussi. Oui, oui. La concession, oui, le terrain. Oui, la concession, oui. Ouais, oui, la concession. Oui. Ouais. Oui, oui, c'est moi. Ok, d'accord. Et t'en penses quoi? J'en pense quoi? J'en pense qu'il y a beaucoup de véhicules. Ouais, ouais, et que c'est là quand on arrive. Ouais, un peu. Moi je lag pas. Voilà. Et toi du coup, mon petit Trinka, qu'est-ce que t'as fait de beau? T'es où? T'es à ta ferme? Je suis là, je suis derrière toi. Ah, regarde. T'es là, oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Moi, tu veux vraiment savoir ce que j'ai fait? Ouais. Rien du tout. Rien? Putain, le mec paye rien à foutre, quoi. J'y crois même pas. Tous mes champs sont prêts, les cochons sont super contents et tout, ils se reproduisent. Ce que j'ai fait, si, c'est que j'ai vu le concessionnaire aujourd'hui, là, qui est venu rechercher mes deux tracteurs que j'ai revendus. Que ouais. Je leur ai revendu le Dutch ainsi que le comment on appelle ça, le Ford. Ouais. Et à la place, j'ai acheté, donc, comme tu peux le voir ici, notre magnifique John Deere. Ah ouais, magnifique John Deere, stylé. Hein, John Deere, le 7530 premium, voilà. Ok, propre. Donc celui-là, et le T6 qui est là-bas. Donc regarde pas le bâtiment, parce que c'est celui du Dutch. Donc ouais, il faudra que je retourne. Ouais, faut que tu changes de couleur, mec. Hein. Et dans les petits box comme ça, je peux pas passer. Effectivement. Effectivement. Bon, bah nickel, donc, parfait. Parfait, parfait. Okay. Voilà. Si tu veux merci venir beaucoup. En camion avec moi, tu peux. Merci beaucoup. Bien, du coup, les amis, moi je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je et de mettre dis... la cloche. Et de mettre la cloche de notification. Effectivement, merci beaucoup, monsieur Farmer Angevin. Merci. Mais rien, c'est normal. Sur ton Instagram. Voilà, et d'aller sur mon Instagram aussi, oui, effectivement. Voilà, donc moi je vous dis merci à tous encore une fois. Et de rejoindre le Discord aussi. Oui, aussi. Tout est dans la description, bien sûr, les amis. Allez dans la description de la vidéo. C'est n'importe quoi. Cette fin de vidéo est n'importe quoi. Je me suis fait engueuler dans tous les sens. C'était le bordel. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Et de lâcher un bon c'est commentaire aussi. Un bon commentaire. Ouais, lâchez les commentaires, ça fait plaisir. Dites-moi si on doit virer ou pas Trinka qui me fait que de gueuler dessus. C'est pas mais non voilà. Bon voilà, en tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve mardi à 21h15 en live sur ma chaîne. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Hard Farm. Voilà, bonne soirée à tous et ciao à tout le monde. Salut, salut.